un travail minutieux pour un savoir-faire unique. Cousu retourné consiste à retourner la chaussure parce qu'elle est cousue et montée à l'envers. Partie du savoir-faire de la maison Repetto. Gaëtan est employé depuis quelques mois. Après un stage dans ses ateliers, le jeune passionné trouve enfin chaussure à son pied. Les plus anciens nous transmettent le savoir-faire de la manufacture. Il peut y avoir un collègue qui peut venir nous aider, où on est toujours conseillé, on est toujours accompagné. Moi, je me vois en train de progresser et puis j'ai cette envie-là d'apprendre. De la chaussure de ville aux chaussons denses, le maître mot de Repetto, la polyvalence. Gagné en réactivité, un pari rendu possible depuis l'arrivée du nouveau directeur en 2020. Ses objectifs, réduire les temps de trajet des salariés dans ses allées et augmenter en productivité. Mais la conformité est là, c'est bon ? Oui. Ben nickel, impeccable. Après une vague de licenciements sur le site périgourdin ces dernières années, Repetto se réinvente pour être à la pointe. C'était essentiel d'avoir une usine un peu plus moderne, d'accord ? Moderne dans ses pratiques, moderne dans son management aussi également. Auparavant, on pouvait mettre jusqu'à 4 mois pour réapprovisionner le même modèle qui était, j'allais dire, attendu. Et aujourd'hui, donc, on est capable de le faire en moins d'un mois et voir sur des exceptions, on peut être encore plus efficace. Cette réorganisation totale ravit les plus anciens salariés, comme Martine. Elle travaille ici depuis plus de 40 ans. Ça va, Sébastien ? Très bien. Pour rien au monde, elle ne reviendrait en arrière. Je suis plus épanouie et contente de travailler. Je viens, j'ai pas la boule au ventre, mais ce qui n'a pas toujours été le cas quand même. Chaque jour, 1200 paires de chaussures comme celle-ci sortent de ces ateliers contre 500 auparavant.